Salut à tous, c'est Fouyou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois en plus aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Zelda. Alors c'est la partie 8, si je me trompe pas. Partie 8, on va se centrer sur les cœurs, les Korogu. On a déjà fait 2 créatures divines sur 4. Donc on va reprendre tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme arme? Des brise-rocs, des perforatrices. En arc, on n'était pas trop mal. Bouclier, c'est pas ce que j'utilisais le plus. Ah, vêtements, ça serait pas mal qu'on récupère quelques tenues pour Zelda. Oui, du coup, je pense laisser le mode Zelda, que je trouve pas trop mal. Ça change un peu quand t'as déjà fait plusieurs fois le jeu. C'est pas trop mal. Bon, au niveau nourriture, on est bien aussi. C'est vrai qu'à la fois, on avait allumé le laboratoire. Allez, viens mon petit civet. Putain, il va y avoir des trucs à ramasser ici. Impeccable. Parti par où? Oui, par là. Alors, on va essayer d'aller ici. Putain, je vais mettre des marqueurs. Ensuite par là. Et on va suivre cette route là. Je pense qu'on va essayer de suivre toute la route derrière la montagne. Histoire d'explorer un petit peu. Putain, je peux enlever le marqueur rose. Ou violet, selon si vous êtes plus ou moins daltonien. Hop là. Alors, est-ce qu'à vue de nez, il y aura un sanctuaire dans le coin? Ça sert à rien que je tourne la tête vu que c'est moi qui tourne la caméra. Ça a pas l'air. C'est pas un sanctuaire qui est ici normalement. Suivons le marqueur. Oh. C'est peut-être encore au bout tout ça. Ah. Attends. Ok, je vois. 1, 2, où est le numéro 3? Et 5. Tu seras me dire une manif de Korogu ici.
Oscarów. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des poneys. Si ça, c'est pas du carjacking de compète. Du coup, la source que j'ai vue était là. C'est ça. C'est donc ici que je veux aller. Écaille d'Ordrak. Est-ce qu'on a scène écaille d'Ordrak? Il me semble qu'on a vu tous les dragons. Je pose ça où là? Ici, comme ça, en vrac. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Ah, elle est dans la source. Ok. D'autant pour moi, j'avais pas lu. Allez, plouf! Ce qui nous donne un petit sanctuaire. Bah, parfait! Je vois que le sol est fissuré. Sacré pénécaille, c'est pas très grave. Une épreuve extrême de force. Avec le peu d'armes qu'on a, va bien falloir qu'on fasse attention. Soyez non plus, faut abuser. Alors, que me reste-t-il en arme? Super. Je sens qu'on va finir à poil. J'ai pas envie de sacrifier des bonnes armes. Que dalle envie. Bon, pas chaud. Yeah.
nickel. Tra, ils ont un pool de vie, c'est énorme. Je prends. Bon, on a récupéré deux armes, mais pas améliorées. On va reclasser les armes. Et c'est un trident des flammes qui n'est pas amélioré. Alors, est-ce qu'on peut sacrifier une arme pour récupérer le trident des flammes? Je dirais que non. Je garde les grosses épées lourdes au cas où il y a un little rock qui se balade quelque part. C'est normalement derrière les montagnes, on devrait en croiser. C'est étrange, il me semblait qu'il y avait un souvenir de Zelda pas loin. C'est pas grave. Salut les gars. Souvenir de Zelda ici. Est-ce qu'on aurait des choses de cachées? Ça c'est un gros goût, il est un peu loin. Sûr de sûr qu'il y avait. Parce que c'est bien la bonne source. Ah, c'est la source de la force. C'est pour ça qu'il n'y a pas les vidéos. Zelda, c'est la source de la sagesse. Bon. D'escalade. On aura peut-être une 1200 bientôt. Bon, on va retourner chercher Bérangère, ça ira plus vite.
Laisse-moi tranquille, toi. C'est que j'ai failli pas te voir. T'as mis où ma flèche? Truffe max, pas mal. Je crois que j'ai récupéré une hache. Bon, on va essayer de contourner de l'inel. Et il risque de me faire plutôt mal. À la grotte des monstres. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que ça allait faire presque 5 ans que Zelda Breath of the Wild est sorti sur Switch. 5 ans déjà. C'est... Oh non, mon petit poney va mourir. C'est ça que je voulais. Bon, mon petit poney, où c'est qu'il est? Elle est là. Ah, viens voir papa. Là, il faut que j'aille là-haut. Bon, en théorie, je dois planer, arriver quelque part par là et remonter tout en haut. On est d'accord que faire ça alors qu'il pleut. C'est pas le meilleur plan. Par contre, avec le wind bomb, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Escalader les parois. Voilà une épée intéressante. Bon, coup de grâce. C'est pas le meilleur des effets, mais ça reste intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on va sacrifier?
Alors, je préfère coup de grâce que distance de lancer. Et si je devais choisir mes effets, ce serait durabilité, niveau d'attaque, coup de grâce, distance de lancer. Pour les armes. Les arcs. Durabilité oblige. Coup de grâce, ça va nous servir la nuit, quand on va rentrer dans les camps. Alors, maintenant que j'atteins ici, je vais pouvoir descendre. Hop. Le plus beau. Oh, il est déjà si tard. Il est content de fermer l'entre. Non mais oh! Mais non! Moi je suis dégoûté. Je pensais être arrivé au bon moment, bah que dalle. J'aime bien sa capuche. Salut Kilton, quoi de neuf? Qui? Moi je m'appelle Kilton. Alors tu as pris l'existence de l'antre des monstres et tu as fait le déplacement jusqu'ici? Et de quoi tu parles? Désolé. Les préparatifs pour l'antre des monstres ne sont pas encore terminés. Oh, j'ai oublié. Tiens, voilà ma carte de visite. En gros, il rachète le matériau de monstre plus cher que. Oh. On va dire à la folie. Oui, on sait que je les aime plus que tout le monde, c'est pas très grave. Voilà, donc maintenant qu'on l'a débloqué, on va le rencontrer quand on se baladera. Bon, faut que je sorte de ce trou paumé. La forêt d'Octo. Ça, c'est fait. Impeccable. Quelque part par là. Ah, raté. J'ai horreur de la pluie. Je trouve que dans le jeu, c'est le pire événement climatique, c'est la pluie. Attends, c'est un des seuls, avec la neige et. Du coup, on va y aller à pied, c'est très bien. Je reconnais ça. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une épée qu'attaque augmentée. Ok.
Doğru. Ça valait le coup par contre. Tiens, je vais peut-être le marquer. Hop là. Pas déconner non plus. Est-ce que je suis trop proche de lui? C'était ça. Des champs pivotent. Ça rappelle que je suis mort avec la foudre. Comme un gros naze. À récupérer ici du champ pipi. Maintenant, il y a plein de lapins. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. C'est désagréable, je me sens visé. Ça va, oui. Ça va, oui. T'es où toi qui me tire dans le dos? Voilà. C'est pas très accueillant dans le coin. Violette tempo. Bon, une forêt pleine de lapins. Le casse-pierre. Et voilà. Tu sais quoi, petit Korogu? Depuis très longtemps que j'ai voyagé à travers ces terres, j'ai toujours mis des cailloux dans la tronche de tes compatriotes. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Je suis un homme nouveau et je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais je ne maltraiterai un Korogu.
pour l'instant. Bref, toi t'as eu de la chance. Essaye de shooter dans ma bombe. Ok, bon. Ici c'est fait, ici c'est fait. Maintenant on va au petit point jaune. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Le haut, mon poney. Si. Encore un poney perdu dans la nature. Adieu, Bernadette. Quatrième cheval préféré. Je devais escalader. Bon, c'est une zone, il pleut quasiment tout le temps. C'est comme se plaindre de la foudre dans la zone du sud. Alors, qu'avons-nous? Trop calme. J'aime pas du tout quand c'est trop calme. J'étais censé avoir un téléphone, mais. Alors, non, moi je t'ai laissé mon poney quelque part. Qu'est-ce qu'on a par là? Bah tiens, un camp de monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les attaque? Flèche explosive. Oh la vache, toi tu m'as touché. Je te protégerai. Merci Mifa.
va prendre la ponette. Hey, salut Tyrose, comment ça va? Pas bien, je viens de me faire maltraiter par cela. Que j'ai grimpé ici. J'ai mon poney qui a bugué, du coup je me suis retrouvé à me prendre des flèches de partout. Bon. Est-ce qu'il m'a se défait? Parce que depuis tout à l'heure il me matraque la tête. Pire monstre du jeu, cela. Hop, ça. Bon, je peux piquer ton arc. Qui c'est qui? Mais les trucs qui explosent. Oh, une masse perforatrice. Attends. On va les laisser se tirer dessus. Ils ont l'air de se défoncer la tête tout seul. À la base, j'étais venu pour leur piquer leurs arcs et leurs flèches, mais. Ça s'est transformé en je me fais latter la tronche. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour m'aider? Bon, attends, je vais pas rester là. Alors, il y avait une masse perforatrice. Ok. Allez, courage, fuyons. Je suis très déçu de Bernadette. Et là, elle court par contre. Allez. On va prendre une route moins dangereuse. Du coup, on était parti dans cette zone-là. C'est bien, c'est que c'est pas du tout dangereux ici. J'ai croisé des linels, des mobs d'argent. Alors. Ça, c'est un arbre avec un korougou. Combien de cœurs? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et encore 2 cœurs et j'ai l'épée. Est-ce qu'on va aller chercher l'épée aujourd'hui? Et est-ce qu'on fait les épreuves de l'épée dans la foulée? Ça pourrait être intéressant. J'en ai passé des heures pendant le premier confinement à faire les...
Les épreuves de l'épée le soir en rentrant du boulot. Bah tiens. De haut, sur le panthère au milieu de l'eau, ici. Hop. Et un Jean-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il a comme autour du cou? Une épée de soldat, une hallebarde. Ouh, c'est des armes améliorées en plus. Bon, bah il s'est réveillé. Les ongles, c'est ce que je préfère. Bon, arc du soldat, on vient. Arc du chevalier. Attaque plus 4. Épée chevalier, ça nous en fait une deuxième. J'aime pas faire des choix dans mes armes. Durabilité, parfait. Bon, on a le sanctuaire est là-haut. Ça. C'est les sources thermales. Très bien. Qu'est-ce que j'adorerais aller en Norvège ou au Japon juste pour les sources d'eau chaude. Ça doit être incroyable. Sans entraînement des gonds, hein, si tu veux le défi, parle à mon grand frère en haut de la paroi. Une épreuve pour ouvrir le temple. Gloire aux muscles! Tu te trouves au centre d'entraînement des Gorons. Il a une tête énervée comme ça. C'est ici qu'on travaille à devenir plus fort. Tu peux te pousser? Il n'en est pas question. C'est un endroit très spécial pour les frères de fer. De toute façon, tu peux pas rentrer. Allez, gloire aux muscles. Alors, les règles sont très simples. Tu devras escalader les parois dans sa base, enfin depuis sa base dans le temps imparti, mais pendant ton ascension, tu devras aussi récupérer des rubis. Tu auras réussi si tu arrives à escalader la paroi tout en réunissant suffisamment de rubis, et ce dans la limite de temps imparti. Allez, c'est parti. Allez, 20.
Bien. Et ben on va se mettre en full cette escalade. Alors, on retire. Se tromper de bouton. Tac, retirer et. Normalement, les plus gros rubis sont en haut. On ne sent pas du tout à faire des tours en bas pour les petits rubis. Voilà, je veux des rubis de 20 en haut. 20, 40, 60. Tiens, hop, 20 ici. Voilà, on n'a plus qu'à foncer pour prendre les rubis rouges, on a gagné. On a récupéré 126, impressionnant. Et comme promis, tu peux monter sur la scène. Merci, frère de fer, avec ton si beau sourire. Grand galop. C'est pas une série qui s'appelait Grand Galop ou quelque chose comme ça? Bénédiction de Gua Ashito. Outa, le point quand t'as envie de faire caca. Épée des glaces, longue distance. Vas-y, c'est que la deuxième. Troisième. Allez, parfait. En fait 3. C'est vrai que ce jeu, si tu te concentres uniquement qu'à faire les sanctuaires, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu récupères Excalibur à une vitesse assez impressionnante. Bon, il doit y avoir un cours au groupe pas loin. Bon, nous sommes arrivés ici. On va suivre la route par là-bas. Je vous fais confiance, hein, vous regardez avec moi s'il n'y a pas un sanctuaire qui traîne et que je n'aurais pas vu. C'est à mon âge, on n'a plus toute sa vue.
seulement si j'enlève mon arc. Ça va être compliqué de chasser le poulet. J'ai entendu un lézard. Ah bah oui, le blanc. Avec une épée trilame. Bon, on va se rééquiper. Simple, on va pas la prendre. Hop, la masse perfou, parfait. J'aimerais bien défoncer le golem de feu qui se trouve quelque part ici. Voilà, ça nous fera un peu d'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une baudruche. Encore des baudruches. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Ça l'a même pas tué. Et ben, ça va faire des chouchous de feu ici. Si on est un peu en train de dévier. On avait quoi la nuit d'avant? Une demi-lune ou un croissant? Je pense qu'on va pas tarder à avoir la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a pas ici? Pas grand chose, hein, c'est vraiment une zone désertique. Allez hop. Là-bas ça brille, j'y vais. Bon, tiens, en plus il y a un korogu à côté. Hasta la vida.
et je ne le revis plus jamais. Alors, c'est qu'on devrait placer ça. Pas un truc tout si bête que ça. Je suis un peu au pif, hein. J'ai pas regardé les deux formes géométriques, même si je pense que ça va être sur l'autre. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien sur celui-là. Bon, mon arc il va péter. Impeccable. Bon. On va le corps du dragon. Ou dinosaure. C'est vrai que tu dis que Ganon il a fait un mauvais bail quand même. Il avait le choix entre ressusciter des monstres, des machines, alors qu'il aurait pu ressusciter, je sais pas, ça. Surtout qu'il fait la tête du château d'Hyrule. Et vivant avec la peau. Je crois même qu'il est encore plus gros que Ganon en mode fléau à la fin. Efficace et pas cher, c'est la bombe que je préfère. Bien, continuons. Ouais, est-ce que vous imaginez que Link aurait pu être capable de battre un monstre pareil. Doré, doré, argent, 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 argent. Sachant que deux argentés me foutent une raclée. Bon Dieu. C'est ce que je vais faire? Je vais pas traîner ici. Oh, elle a trois quarts pleine la lune. Des corbeaux qui se cachent soit sur la pointe des os, enfin des os,
copain. De me crever les fesses, ça c'est pas mal. Et le truc est parti là-haut. Ah voilà, parfait. Est-ce que vous croyez que je peux attirer des boules de feu sur les monstres? Et est-ce que ça va les tuer? Un éclat de corne. Oh bah super. Je crois qu'entre ça et les dents, c'est les morceaux les plus durs à voir. Ils avaient quoi comme arme? Dracobat, arc, épée de flamme. C'est juste histoire de dire. Vous avez de la chance aujourd'hui, mais plus tard je vous aurai. C'est la route de la mort ici en fait. Bah, un petit conseil, si vous êtes pas trop stuff, pas trop de tenue, vous n'avez pas l'épée purificatrice, ne venez pas ici. Korogu, on va y aller. Non, tu m'as pas vu. Non, tu m'as pas vu. Non, tu m'as pas vu. Oh, il doit avoir du trop bon équipement en plus. Alors, on a un cercle de cailloux. Il nous manque un caillou. Utiliser ma prière à tout moment. On est d'accord, c'était pas le caillou qu'il y avait là-bas, hein. C'est un autre caillou, oui. Bon, bah tant pis pour cette noix courroux. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel caillou ou est-ce qu'il faut prendre le caillou spécifique à la zone autour de l'épreuve Korogu?
vous avez une heure pour y répondre à cette question. Gorogo plus facile. Alors, il nous faut le bloc métallique qui est là, qui va sur, hop. Voilà. De venir ici, ça manque d'aventure épique quand même. C'est la fête aux linelles. C'est ridicule de figer un linel aussi long. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un sanctuaire ici. Bon, on va remonter sur la forêt. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Ruine Obscurcie. On n'a rien à voir avec la forêt. Dans celle-ci, il y aura des aventures épiques, de la peur, de l'angoisse, des zones sombres. Ne soyez pas claustrophobe. Bon, plus sérieusement, c'est une forêt où tout se passe dans le noir. Il y a quelques monstres, il me semble qu'il y a un gros inox. Tiens, je vais monter le haut. C'est une zone assez galère, il faut avoir une torche. Quelle chance, sans la créature divine, j'ai une torche. Une torche plutôt cheatée. Et bien moi je vais aller là-bas moi. C'est là-bas que mon destin m'appelle. Je crois que c'est une zone où il y a deux linelles, l'un à côté de l'autre. Enfin, ils ont quoi, une centaine de mètres l'un de l'autre, mais tu peux les aggro ensemble. Voilà, la fameuse forêt. Tiens, est-ce qu'on peut rentrer en mode clandestin dans la forêt ?
classique et un arc classique. La réponse est non. Ah, quoique, ils m'ont peut-être bloqué en l'air. Un défi t'attend dans ces ruines. Enfin, un défi t'attend, visiteur de ces ruines. Trouve le sanctuaire tapis dans leurs ténèbres. Si je survole la zone. Ah, je vois la lumière des torches. Je sais absolument pas où j'atterris. Si, je sais où j'atterris. Je vois absolument rien. Je te protégerai. Merci, Mifa. C'était quasiment sûr que je me ferais avoir. C'est terrible cette forêt. Je ne sais pas ce qui me lance. Allez, il est battu. On n'a plus qu'à l'achever. Il y a du matos. Alors, je récupère une épée de chevalier, coup de grâce. On va la mettre de côté. On va jeter un arc qui a déjà été utilisé. Et c'est celui-là que je viens de jeter. Ok, bon. La bouboule est là. Je viens de voir que le socle était pas loin ici. Voilà.
Mais... C'est tellement sombre que j'arrive à me perdre en ligne droite. Finir la forêt, enfin le sanctuaire, la forêt s'illuminera. Un cœur antique. Vous savez ce qui serait bien, c'est de faire le plein de fées. Mes 4 fées sont foutues. Ma prière demi-fa, je viens d'utiliser. Ce qui veut dire que le moindre coup fatal, c'est le game over assuré. J'ai fait 40 sanctuaires. Bon. Moi je propose qu'on reparte par là. Qu'on défonce le monstre que je défonçais tout à l'heure et que je poursuive ma route direction ici. Où est-ce que je fais 2-3 petits sanctuaires dans la montagne, quitte à y être. Parce que je récupère la tenue de barbare, l'épée. Alors, ici, il fait chaud aux fesses. J'ai ma torche qui brûle. Pas avoir une lune de sang. Non, je les ai pas tués eux, c'est ça, c'est les seuls qui étaient restés tombés par terre. Et j'ai dû les tuer. Ça m'étonnerait que je les ai laissés en vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arc, ils sont passés au leur cadavre. Pas de cadavre, pas de loot. Pas de loot. Pas de loot.
Ce n'est pas passé loin. Il n'y avait pas ça dedans la dernière fois. J'aurais ramassé sinon. Tiens, sanctuaire à proximité. Ah, je me rappelle de celui-là. C'est celui-là qui est sous l'espèce de... de caverne au-dessus de la lave. Est-ce que je suis assez courageux pour y aller? Ah, c'est celui-là. Il est là-bas. Je suis quasiment sûr que j'ai grugé la dernière fois. De toute façon, on va y aller. C'est... Reste deux flèches. Ok, let's go. Ah, ça, j'imagine que si ça tombe, ça fait mal. Ça doit se faire avec des flammes bleues. Sinon, mon épée aurait fonctionné. Tac, tac. Ok, super nickel. Ça, j'ai pas encore fait de grosses bêtises dans cette vidéo. Hop. On va dire que c'était ma première. Un arc royal, 38 de puissance. Avec grand plaisir. Je crois que j'ai pas le choix. Il va bien falloir que j'utilise une flèche pour allumer la torche. Merveilleux, j'ai deux flèches. Moi, qui n'arrête pas de dire
Pense à tes flèches, achète des flèches, remplis ton carquois. Je me trouve avec une flèche. Bouboule! Ouais, je fais la bouboule pour les tuer eux. Le jeu a planté. Et ben c'est bien la première fois que j'ai un bug de l'émulateur sur PC. J'étais en train de faire quoi? Je changeais ma tenue. Sorti l'épée de gardien. Ah, on reprend du début. Bon. Non, ok, je reprends pas tous les débuts. Cool, je peux récupérer la boule. Dans mon malheur, ça va. Ça bug. Voilà. À la base, c'est ça que je voulais faire. Allez, reste avec papa, toi. Ça peut rester là. Oh, je suis dégoûté. Mon arme ultime disparu à jamais. Je suis de retour. Ah bah dis donc, Tyrose, t'arrives toujours quand je fais des fails. T'as raté, le jeu vient de planter. Alors ici il faut... Je crois qu'il va me falloir une flèche.
Dernière flèche. Bon, sinon, code 9 Tyrose. Toujours pareil, ça va toujours. Allez, faut activer les ventilateurs. En allumant les flammes. Sauf que je n'ai plus de flèches. Évidemment, je peux pas allumer mes flèches avec ça. Bon, je parle à chaque fois que de tricher un petit peu. Ni vu ni connu. Ça détruit même pas les gardiens. Ici, qu'est-ce qu'on a comme coffre? Une épée des Sylvains. Alors, je sais plus si elle est super solide comme épée, mais. Bon, il faut que j'arrive à rentrer là-bas. Oh, trop haut. Oh, un plafond. La poisse. Tu n'as rien vu. Je vais recommencer en plus. Allez, on recommence. Flèche, pas de ralenti. Bon. La troisième, c'est la bonne. Je pars vachement haut. Je pars pas aussi haut d'habitude. J'avais des flèches, j'aurais déjà fini. Non, trop loin. Beaucoup trop loin. Bon, on va essayer d'ici. Je suis arrivé, c'est ce qui compte. Avec deux jambes pétées, un bras dans le plâtre. Merci, c'est. C'est un peu honteux comme façon de faire un sanctuaire, mais. Il me faut des flèches. Là, il me manque les 3 sanctuaires, j'ai accès à l'épée Excalibur. Je vais m'hydrater, je suis en train de me dessécher. Alors, je suis ici. Il n'y a rien qui va. Ah si, ça y est, on va faire un petit boss pour t'étendre. Hop. Alors. Le chariot, on va le mettre sur les voies. Est-ce qu'il est dans le bon sens au moins ?
Normalement, oui. Ça fait pas ça d'habitude. D'habitude, le train il te défonce pas la tronche. Cette chaîne, ça va devenir la chaîne des failles de Zelda. Devinez ce qu'il faut pas faire. Tout ce que je suis en train de faire. C'est bon, je me sautais sans mourir maintenant. Merci. Bon, à quoi tu joues, Tyrose, en ce moment? Ça, c'est gratuit. Pourquoi la voix de Link est plus aiguë? Ce n'est pas Link. Breath of the Wild. C'est la princesse. Alors, est-ce que tu joues à la version Switch? Sur la console portable ou est-ce que tu joues sur l'ordinateur par émulateur? Si tu utilises CMU, il n'y a pas de problème, tu devrais pouvoir utiliser. Tu joues sur Switch. Ah. Alors le problème c'est que sur Switch il faut craquer sa console. Alors je sais pas si tu l'as fait. Il faut mettre un homebrew, enfin tout le bordel classique. Moi c'est ma fan numéro 1, je tiens à préciser, la meilleure de toutes, qui m'a demandé quand je lui ai montré qu'il y avait des mods sur Zelda, qu'elle a trouvé aussi des mods sur YouTube. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais mettre jouer aussi Zelda? Et je lui ai fait oui, ça devrait être possible. Et j'ai réussi à trouver comment. Et il y a un nombre de mods incalculable sur ce jeu. C'est, tu peux mettre Mario, tu peux mettre Zelda, tu peux mettre n'importe quel personnage féminin qui existe, Link le Mifa, tu peux jouer le Gouron. Tu peux changer Ganon en Bowser. C'est. Je suis même avec toi, j'ai une Switch. Première version, donc la plus facile à craquer. Et donc je pourrais mettre tous les jeux que je veux gratuitement sur ma Switch, mais je préfère pas le faire. Bizarrement, ça m'inspire pas. Autant sur 3DS, sur GameCube, sur PS2, enfin toutes les autres consoles, j'ai pas de problème. Mais dès qu'il y a du online dessus, je sais pas, je le sens pas. J'ai un léger manque de confiance sur le craquage des consoles quand des mises à jour. Ouais, mais même si t'as pas l'online, disons qu'en fait tu craques ta console, tu lances un jeu, t'as une mise à jour par Nintendo qui fait que ils protègent leur console. Si ils repèrent, bon, c'est rare, mais ils peuvent. Peuvent bloquer ta console en ligne, donc si un jour tu veux jouer en ligne ou autre chose, ça très bien. Il me manque un caillou. Alors normalement tu as un géant de feu qui se balade ici. Enfin, un géant de feu. Il est là-bas. Attention, le online sur la Switch ne sert strictement à rien. C'est. À part pour jouer à Mario Kart Online ou Animal Crossing. Même s'il est pas cher, je trouve qu'il est vraiment pas intéressant. Et leur offre avec l'émulateur 64 payant, c'est honteux. Tu passes de 16€ par an à presque 50€ pour un émulateur avec des jeux qui sont même pas traduits. Qui sont en version française en plus chez nous, mais. Ils veulent pas s'embêter à faire plusieurs versions du jeu. Bon, normalement je suis ravi. Je me fais défoncer par.
prends feu. Alors, la case break. Meilleure arme du jeu pour tuer ces monstres-là. Mise à jour, prouver sa valeur. Ah, j'avais une quête où je devais tuer le machin. Prouver sa valeur, j'ai mis le match rock de la tournée. Allez vite voir Fugu. Ok. Je l'ai fait par accident, mais tant mieux. Dans le journal, ça va être plus vite. Hop. Ok. Je l'ai vaincu. Sérieux? Ok, l'escroc, tu fais tout le boulot et c'est lui qui va en tirer la récompense. Alors lui, il fait sa meilleure nuit. Bon. Ça, c'est fait. Et je veux aller là. Sauf que je vais pas revenir ici. Oh. T'aurais vu ta héros l'autre jour, j'ai passé 3 heures à chercher un linel rouge. Presque impossible à trouver. Que je n'ai plus de batterie. Oui, on m'a dit qu'il y avait une arme de coller sur le crâne. Effectivement. Et pas n'importe laquelle. Alors, est-ce que je peux la prendre? Ça, oui. Alors, ça c'est la forêt Korogu. Ma route se trouve. Alors, deux visages. Attends, du coup, je vais me téléporter à la tour. C'est le visage de Zelda. Ils ont changé les tenues de Link pour les adapter à Zelda. Le bouclier a été déplacé pour qu'elle soit plus au niveau du bas de son dos plutôt que dans le dos. Ça, c'est plus logique par rapport à sa morphologie. Alors, tenue. On est sur du Zelda. Et donc du coup bah, ils ont adapté les coiffures en mode coiffure d'escalade. C'est une espèce de robe de cérémonie qui remplace le maillot Nintendo Switch.
Le doublé, il n'a pas vraiment changé, mais c'est un doublé, donc ça se voit pas trop. La tenue, ils ont pas tout fait. Dingue. Mais ça, bon, je peux changer la tenue de Tingle avec un autre mode. Donc sa tenue de début, c'est vraiment une tenue un peu paysanne. Donc c'est plutôt... La tenue d'escalade, qui a changé aussi. L'armure Zora. Stylée aussi. Après, évidemment, on a l'armure de pierre qui surligne que c'est une espèce de gros scaphandre avec une armure avec des plaques vraiment balèzes. Et là, on se retrouve avec une armure. Une armure plutôt classe. Donc, j'ai hâte d'avoir les autres tenues. Et j'ai mon chat qui fait des bruits dégueulasses en se lavant. Bon, si je mange un bout. Alors, effet froid, épée de flamme. Bon, et t'en es où ta Rosa dans ta partie? Deux tours pas faites. J'ai cru que c'était dragon de loin. Comment ça, 23,90? Ah, en pourcent. Bah tu les vois où tes pourcents? Jamais fait gaffe, moi. Tu calcules ça par rapport au nombre de sanctuaires que t'as fait et au nombre de Korogu? Carte en bas à gauche. J'ai midi 5 et 14 degrés. Tu dis peut-être que je me trompe, peut-être que je vois mal quelque chose. D'accord, faut avoir fini l'histoire principale. Je regarderai sur ma Switch. J'ai fait les 120 sanctuaires, j'ai fait beaucoup de Korogu. Bah toi, tu m'apprends quelque chose. Chapeau de barbare. Alors
l'autre jour, je suis tombé sur une noix Korogu. Il y avait une espèce de petite rose des vents. Et pas moyen de débloquer l'épreuve. Et pourtant, j'avais l'éventail, j'avais tout. Rien à faire. On s'y approche. J'avais marqué. Adieu, Chavrina. Utiliser ma prière à tout. Quand t'as pas de hache. Juste monter sur la bûche. Oh là là. Tac, il descend, il va passer. Tu sais pas viser, prends un arc de linéaire. C'était tellement bête. Après, du coup. Alors, ma route, on avait dit par là. Est-ce que toi tu fais tout ce qui est wind bomb, moon jump, quelques petits glitches comme ça pour avancer? Non. Moi je fais juste les bombes. J'ai testé tout du bouclier pour passer à travers les murs. Le moon jump, c'est en fait tu peux sauter à l'infini. Et du coup ton personnage il monte aussi haut que tu veux. C'est clairement le glitch le plus abusé du jeu. Jump, wing jump, c'est pas toi qui la bombe, enfin ça c'est le bomb jump, il me semble. J'ai pas envie de casser ma lance. Attends, attends, t'en as un, tu fais ça, et en fait, honnêtement, tu retires ton bouclier quand t'es face à un mur, ça fait un décalage, et du coup, à chaque fois que tu vas sauter avec ton bouclier, tu vas pouvoir passer à travers un mur. Et certains ont remarqué, par exemple, pour faire les épreuves de l'épée, tu pouvais faire ça dès la première salle. Tu passes à travers le mur, tu slalom, mais en fait, c'est... L'épreuve de l'épée, on va dire, c'est une carte géante, une plaine vide. Et en fait, chaque salle de l'épreuve, c'est un petit carré, une petite salle. Parmi plein d'autres. Et tu peux directement aller à la dernière, donc celle qui valide l'épreuve et qui t'emmène aux escaliers. Donc tu peux avoir l'épée améliorée sans rien foutre. Oh, un coffre. Ça t'apprendra.
Diable part de chevalier. Moi, je vais aller là. Non, mais ça va plus vite de glisser sur les cailloux, c'est... Une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Concentration, parce que là. Si je me foirais, j'étais mal. Est-ce que si on fait l'épreuve de l'épée en facile, elle est quand même améliorée à 60? Alors, il faut que tu fasses 3 fois du coup, que tu rentres dans la partie facile, puis la partie difficile et l'autre. Et je me caille les miches. Du coup, t'as quand même oublié de te taper 3 fois les épreuves pour... Oui. Après. Et donc, une fois que t'as fait la facile et la normale, si tu peux zapper la difficile, tu gagnes quand même pas mal de temps. Moi, je sais que j'ai préféré la faire au moins une fois en légite. Comme ça après... S'il faut aider quelqu'un, tu lui passes en... En passant les murs. Toute la tenue de barbare. C'est les gardiens gelés. Lui, il est vivant. Bon, moment de vérité. Là, si je tombe. Je suis mal. Ils ont mis un diamant ici. Le sanctuaire est juste sous mes pieds. Vendu, j'accepte l'épreuve. Des sous-sous! Alors, le sanctuaire est là. Toutes les grilles sont fermées.
On peut grimper sous les murs ici. Alors, on va mettre le chapeau d'escalade. On est d'accord, d'habitude on peut pas grimper sur ces murs là. Il doit y avoir un système d'interrupteur caché quelque part. Alors, ouf. Et c'est à mon bébé. Ça c'est un ligne de sang. Et bah écoute, ça marche, à la prochaine. Tyrose, au plaisir. Et bien bonjour toi aussi. Ah super, la lune de sang dans le sanctuaire. La lune de sang. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link. Alors ici on a des flèches. Il faut que j'en mette plus de flammes. Les gars, je vous aime bien, mais il y a un peu trop de monde pour moi. Ça va être compliqué. Il va falloir que je gère tous mes ennemis. Il y a trop de mecs argentés ici. Dans le nid de monstre. Ok. Ça sent pas très bon pour moi. Yeah.
Si je désarme, ça changera rien. Et bon, moi qui attaque tourbillon. L'épée de feu, parce que je meurs de froid. Et une arme de cassé, une. Je l'ai raté, hein. Oui, j'ai raté. Ça va, la baguette d'émetteur. Très bonne arme, ça aussi. Alors, un bouclier amélioré. Garde plus 12, parfait. Bon. Niveau arme, je suis pas trop mal. Les ailes en acier. Bon bah un balcon à bien. Alors, tout ça ici on avait fouillé. Forcément avoir une interaction à faire quelque part. Gemnox.
un monstre. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, espèce d'œil gluant. Qui fout des pièges de. Oh, un coffre. Pas tout. Allez, si on peut un peu au mur, on va pas s'en priver. C'est lui que j'entendais. Est-ce qu'il y a son œil quelque part? Tous les coups, son œil était de l'autre côté. Message de mon chef. Et c'est le cas. Alors. C'est à quelle heure? Bon. Oh la vache. Mais je t'ai trouvé là, il était là. Ah non, il est là. Bon, ça m'a fait re-réunir autour du sanctuaire à l'entrée. La nourriture pour marcher plus vite. On va tester, est-ce que ça marche vraiment? Courir, bois, non. Courir, grimper et nager plus vite. Donc, en théorie, je vais arriver en haut sans trop. Qu'est-ce que c'est? Allez, viens. Viens, mon chat. Si tu peux venir, je peux.
Mais ce chat. Ah bah t'es reparti du coup. Mais où t'es ? Le sanctuaire, je tue la bestiole. Là j'avais le masculin tout à l'heure, c'était ici. Grimper si je dois grimper. Ils ont dû s'éclater à fabriquer un labyrinthe comme ça quand même. Ça y est, un indice. Non, un coffre. Bon. Qu'est-ce qu'on a en bouclier 40-40. On va regarder ce que j'ai actuellement. Ça. Non, c'était pas trop dur, j'ai pas trop galéré à tourner pendant 20 minutes dans ce sanctuaire. Culotte barbare. Le torse barbare va se trouver dans le désert. J'en suis à 2h22 de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai promis quelque chose à ma puce. Prochain sanctuaire, c'est va dans le désert. C'est ça. C'est va dans le désert.
je vais toucher un peu le micro. Youpi, youpi. Quel compartiment t'intéresse? Allez, celui des armes. Il va bien falloir le finir. Je sais pas non plus. T'es triste, mais pas autant que moi. Alors, le chemin le plus rapide pour aller au désert. Ça va être par là. Attends, je vais pas faire une heure de plus, c'est déjà bientôt l'heure d'aller manger. Donc bientôt l'heure d'aller se coucher. Bon, je me suis jamais battu contre un mec doré. Écoutez, première victoire contre un mec doré. Pas spécialement dur, pas spécialement facile non plus. Il m'a pas touché, il aurait pu me faire très très mal, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre en bois dans le lac.
On va aller là-bas, à la tour. Eh B, t'as du mal à fondre. Je vais t'aider. Bon, déjà c'est pas un coffre. Est-ce que ça sera un coffre au bout? Ou rien du tout. Oh, c'est long. Un coup. Sauter sans sa bombe. Salut les mouettes. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Bon, je pense que vous avez remarqué, mais je suis passé à côté d'une épreuve Korungu. Je vais me dépêcher d'activer la tour. Qui était plus solide que ça. Fou de canter. J'avais mis le marquage. Ah oui, là-haut. Voilà, c'est comme ça qu'on perd des drops bêtement. Bon. Coucou toi. Il y en a encore une autre là? J'ai jamais fait attention au fait qu'il y avait des fées qui se baladaient ici. Je
Je savais qu'on pouvait entrer dans la nature, mais... Alors, ça, faut qu'on le foute dans le trou. Je me suis encore dispersé, je devais aller à la tour. Oh! Pas bien lui lancer des cailloux comme ça. Il pourrait blesser quelqu'un. Là, tour, là, tour. Je ne suis pas pour le conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fleurs. Allons ramasser ça. Il y a l'air d'avoir du vent. Ça va me poser problème. Bah écoute, non, même pas. Il me semble qu'il y a pas mal de coffres au pied de la tour. On va voir ça dans quelques minutes. On peut voir ça maintenant. Coffre, boîte en métal. Bon, le pas mal de coffres, t'en sens moins. Il y a un coffre dans le lac. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup les boutons de ma manette. C'est quelque chose que j'ai horreur. Horreur pour moi et horreur pour les autres. Thank you.
Ah, mais si, il y a bien deux coffres. Pourquoi j'ai fait un signe 10 sur un coffre? Elle. Bon. Où est-ce que je vais m'arrêter? Du coup, il me manquait deux petits sanctuaires. De briser, tiens. Je jetterai sur quelqu'un. Ah, le truc avec les épées, ça je trouve ça stylé. Ça, c'est une de mes épreuves préférées. Ça, le mode d'accord là-bas. Deux têtes, il me semble que la dernière tenue barbare se trouve bah, ici. Ce qui veut dire elle est cachée au milieu des montagnes là-haut. C'est mon chat qui fait ce bruit-là? Alors tu bugs? Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais des bruits bizarres. Oh, ça, ça a des pattes, c'est vivant. Oh, jolie Kujo. Coucou. Bah écoute, ça va bien toi? Désolé, j'ai peut-être raté ton message. Enfin, j'ai peut-être pas vu tout de suite. T'as un raid, j'ai un fauve qui est là. Attends, est-ce qu'on le voit bien? Non, on le voit bien. Alors. J'ai pas qu'un sanctuaire à faire ici. Oui, moi aussi je te kiffe mon chat. Voilà. Le sanctuaire est sous mes pieds. Tranquille, quoi de moi, j'ai fini de chatter, du coup je vais m'avancer dans Pokémon Arceus. Très bon jeu Pokémon Arceus, je sais pas si tu l'as fini. Ou si tu fais peut-être juste la mise à jour, mais...
L'œil doit être quelque part. Pas encore. Écoute, moi, globalement, dans Pokémon Arceus, j'ai... Dès que j'arrive sur une map, j'ai farmé, j'ai tout retourné. Un vrai brigand. Mais vraiment, le... Pour une fois qu'on a un jeu Pokémon qu'on peut faire entièrement sans se forcer à faire des échanges ou n'importe quoi, c'est vraiment agréable. Alors ça c'est fermé, fermé. Passage du monstre. Ça te fait bizarre de passer d'Uncharted à Pokémon. En plus ils ont fait une grosse grosse mise à jour il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'avant il devait y avoir 90 quêtes et il y en a plus d'une centaine. Et c'est gratuit. Alors, je sais plus à qui j'en parlais, je voulais stream sur Legend Arceus. En fait, il y a trop d'heures sur ce jeu. C'est pire que Zelda quasiment. Déjà passé par là. Espadon Guerrido. Bon, je préfère les Pézora, mais on va pas se plaindre. Message vocal. Qui patrouille sur les... Trop stylé, j'adore. Il est ici. Il est sous nos pieds. C'est pour papa. Et papa il va me laisser là parce que l'arc il est pas bien. Oula. Ça a danger. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce body sanctuaire?
Du sanctuaire. Côté est, côté est. Qu'est-ce qu'elle me dit la carte? S'y arrivons, arrivons. Bon, lui, je vais le prendre juste parce qu'il est joli. On fait le tour du sanctuaire de ce côté-là. Ok. On a forcément un des chemins qui cache un secret. Tourner en rond, c'est ma grande passion. Ne perdons pas espoir, ne nous démotivons pas. Ce quart-là a déjà été fait.
Fallait pas descendre mon gars. Ouf, enfin. Gilet barba. Alors. Ça passe. Pour un personnage féminin, c'est plutôt pas mal. Le galop, lorsqu'il galope, il peut accélérer son allure jusqu'au grand galop. Ça, c'était le cri du désespoir qui dit j'ai faim. Ma prochaine créature divine. Bon, est-ce qu'on voit un sanctuaire d'ici? J'ai bien 5 minutes pour en faire un autre. Au pif, il me semble qu'il y en a un qui est pas loin du village. Et un sur la route. Attends, on a une, ouais, on a une route ici. Putain, je le voyais là. Bombardement. Raté. Aïe. Bon, t'as la chance, j'ai plus de place pour les armes. Ça, il y a le relais qui est à côté. Le sanctuaire de Kenoï. Ok. Il faut remettre le point. Football pour moi, j'ai une épée électrique.
Fais moi le malin. Bon, ma flèche. Non. Petite clé. J'avais la boucle ici pour un. Deux. Alors, ici, il faudra rapprocher tous les éléments métalliques. Trop. Tac, pour diffuser l'électricité. Normalement, c'est dans le même bassin, ça devrait déjà marcher sans qu'on les rapproche. Et un coffre ici. Ça, j'aime beaucoup. Dans le froid, fait chuter la température du corps et perdre de l'énergie vitale. La nourriture et l'équipement ne vous sera d'aucune aide. Ouais, c'est logique. Bon. Je vais m'arrêter là. Et j'ai encore dépassé les 3 heures. J'ai récupéré Excalibur. Alors, normalement, il doit y avoir une petite. Une petite statue pour les échanges de cœur. Enfin, si je la trouve. Ça, c'est mon épée. Ça, c'est le chef. Ça c'est le gros. Il devrait y avoir une grosse statue marquée là. Je suis là.
je prends tout. Ici c'est le dodo, ici c'est les matériaux, la cuisine. J'aimerais que tu se mettes à une épreuve. Oh, plus tard. Petite statue. Ouvre ta poquetton. Choisissez la 5 que vous préférez. Non, mais j'ai gagné mon temps à aller ailleurs. Bon, surtout ne pas râler. Oh. Bon sang. Perdre 3 minutes à chercher une statue. Ma PLP. Allez, si je me rappelle où elle est. Elle est juste au pied de la salle du roi. Voilà une statue sympa. Il ramène la paix en Hyrule. Et un aller-retour gratuit. Hein. Vous pouvez changer de style en appuyant sur ZL. Ok, moment de vérité. Et je veux que cette scène soit classe. Non, c'est trop belle, elle est pas belle. Enfin, elle est belle, mais pas comme ça. Moi je suis pas trompé.
attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule, attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Peut-être dans le 2. Peut-être pas. Épée de légende. La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Faire l'épreuve de l'épée ici. Faut finir le jeu pour ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter ici. Hop. Ce fut déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a pas mal glandé. On a récupéré des armes. Est-ce qu'on a récupéré des costumes? Oui, on a fini le 7 barbares. Très bien, on a fait quelques sanctuaires. On a perdu des cœurs bêtement. On s'est fait rouler dessus. On a roulé sur certains monstres. J'ai activé la tour près de Nobura. Oh tiens, le nom m'est revenu tout seul. Et on a récupéré l'épée de légende. Ça me semble déjà pas mal. En tout cas,
Moi, je vais arrêter mon stream ici. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ben encore merci à tous d'être venus passer, dire bonjour, faire des coucous, discuter avec moi. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous. Je vous dis ciao.